بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وفي للوانج الله سبحانه وتعالى سيل تبلي أشكر وأشكر وأشكر الله سبحانه وتعالى دي الحمد لله أغيد تو لا مونتي الله سبحانه وتعالى سول كي ديسيد توا تو نو بو ريان ديسيدي سي الله كي ديسيد دي الحمد لله. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد، صلوا وسلموا عليه تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. أتيت باب الرجا والناس قد رقدوا، وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. إلهي يا خالقي مولاي يا سيدي، أنعم علي واجد بالعفو بالهدي المحمدي. إلهي يا خالقي مولاي يا سيدي، أنعم علي واجد بالهدي المحمدي. والله سبحانه وتعالى ظلم الهدي المحمدي، الهدي المنهاج محمد صلى الله عليه وسلم نوزا a passé toute sa vie à nous expliquer, à nous montrer. Sallu alayhi wa sallimu taslima, sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: اذكروا هادم اللذات, évoquez celui qui détruit les passions, évoquez la mort. Nous devons nous rappeler de la mort, parce qu'en nous rappelant de la mort, on ne fera pas de bêtises sur terre et on saura qu'il y a un monde qui nous attendra après la mort où on va être récompensé, soit par le châtiment, soit par une belle récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons attention, évoquons la mort et on va continuer. Si vous n'avez pas vu les interventions d'avant sur la mort, elles sont plus ou moins toutes indépendantes et vous pouvez, Inch'Allah, prendre le fil de ces interventions et méditer. Nous ne donnons pas raison à ma femme qui m'a dit que, au lieu de leur lire un livre, laisse-les le lire tout seul. On ne lit plus beaucoup et je voudrais, Inch'Allah, vous lire. S'il vous plaît, je vous donne un peu de mon temps, s'il vous plaît, pour qu'on avance tous vers Allah subhanahu wa ta'ala pour vivre la paix et la propager dans le monde. Les philosophes matérialistes affirment qu'il n'existe point de vie au-delà de la mort. Ces philosophes n'ont rien compris, les pauvres. Et dommage qu'on les appelle philosophes. Disons plutôt, les matérialistes affirment qu'il n'existe point de vie au-delà de la mort. Vous voulez avec le R, je roule le REL ou le R, ou je le dis avec la mort. On va dire, Inch'Allah, avec la mort, comme ça, on ne va pas trop perturber quelques-uns qui trouvent déjà que j'ai un accent bizarroïde. Les matérialistes affirment qu'il n'existe point de vie au-delà de la mort. L'homme est composé de quatre éléments intimement mêlés, créant ainsi la vie. À leur décomposition, l'homme n'est plus et n'existe plus. C'est le néant. À l'inverse de l'islam, il ne voit donc la résurrection de l'esprit et du corps que des faits de l'imagination. Les mystiques de l'islam ont médité sur cette formule et leur conclusion nie la conception matérialiste. Ils ont prouvé que cette hypothèse philosophique était dénuée de fondement. Car existe-t-il un bon grain qui ne germe point dans une terre fertile? Si oui, alors vous pouvez douter de la résurrection de l'esprit. Le ruh el-insani est aussi des sens spirituels. Donc, ruh l'insani, l'esprit humain, vous savez, les savants ont divisé le ruh en deux. Soit ruh l'insani, l'esprit humain, l'âme humaine, soit ruh l'hayawani, l'âme bestiale, l'âme animale. Donc, le ruh l'insani
et aussi des sens spirituels, infinis et simples, et vient d'un monde sanctifié par Dieu. Alors que le ruh, le hayawani, est des sens inférieurs, donc le ruh, bestial, animal, est des sens inférieurs. C'est une fièvre délicate de quatre humeurs du corps humain. Cet esprit pénètre dans tous les membres et c'est par elle que ces quatre éléments existent afin que les sons existent. C'est pour cela même que les forces vives de l'homme n'existent plus après la mort. Les mouvements et les gestes deviennent silencieux car le ruh s'arrache des membres du corps mais il laisse à l'agonie, à l'agonisant la perception de la souffrance de l'agonie. Donc il laisse à l'agonisant la perception de la souffrance de l'agonie. Même dans le péril de la mort, l'esprit humain existe encore et l'agonisant peut encore ressentir le tourment ou la paix. Mais ses membres ne lui obéissent plus. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que casser l'os d'un mort équivaut exactement à briser l'os d'un vivant. Donc, il est certain qu'il ne s'opère aucun changement dans la perception après la mort. Seule notre demeure change en relation avec l'esprit. Le châtiment aussi se décompose en deux parties, le châtiment corporel et le châtiment spirituel. Nul n'ignore l'existence des châtiments corporels, mais les châtiments spirituels, eux, restent très souvent oubliés. Les savants ont ainsi déterminé la substance de ces châtiments spirituels. Plus l'homme sera épris d'amour pour ce monde périssable, plus il aura mis son orgueil dans son intelligence et sa faculté à comprendre et à accomplir des actes qu'il pense justes et bons. Plus son tourment sera grand, car il lui sera donné la possibilité de juger de la vanité et d'apprécier enfin qu'il avait voué son intelligence au culte de l'erreur, lui qui avait pensé avoir trouvé la vérité. Réveille-toi s'il te plaît. Je sais que la lecture, parfois, on a tendance à... Lui, il est monotone, il lit, on s'ennuie. Réveille-toi, on te parle de quoi? De la mort qui t'attend à n'importe quelle seconde. Ça peut arriver. La plus grande vérité, une des plus grandes vérités de la vie, c'est la mort. Réveille-toi, s'il te plaît. Tel l'amoureux qui se trouve en paix avec lui-même lorsque la femme aimée est près de lui et souffre mille tourments quand il en est séparé. C'est plus le cas, malheureusement. Aujourd'hui, les gens, c'est... On consomme la femme et bye-bye, malheureusement. Il n'y a même plus l'amour pur d'avant. Ainsi, cet amour de la vérité que le pécheur aura nourri prendra pour lui la forme d'un dragon qui ne cessera de lui lacérer l'esprit. Pris de frayeur alors, il souhaitera se jeter à l'eau, au feu, cherchera à se détruire par quelque moyen que ce soit. Mais il lui sera impossible d'échapper à cette tourmente éternelle d'un châtiment éternel. Ce serpent ne peut se percevoir qu'après la mort, car nos yeux sont impuissants ici-bas à cette vision spirituelle. Dans un hadith, Mohammed sallallahu alayhi nous dit « Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ». Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Réveille-toi. Ce monde est une prison pour le croyant et un paradis céleste pour le non-musulman. Et Aka, ah, vous voyez, les musulmans souffrent, ils sont éprouvés, mais ils sont heureux. Heureux, alhamdoulilah. Ce monde est une prison pour le croyant et un paradis céleste pour le non-musulman. Dans le cœur du croyant existe toujours l'espoir vivace et non déçu de l'amour de Dieu, de sa beauté. C'est pour cette raison qu'il préfère l'au-delà. Il ne considère ce monde que comme le contraire de cette perfection. Le fait que l'amour divin est banni de ce monde en fait une prison pour le musulman. Il lui fait chercher rapidement le moyen de se rapprocher de Dieu et de sa perfection. Il ne se soucie guère des misères d'ici-bas, l'autre étant pour lui un paradis céleste, le symbole même de la paix, de la tranquillité et de la vie heureuse. Pour les kafirs, les mécréants, c'est ce monde qui paraît préférable. Ils assouvissent donc tous leurs désirs et se lancent à la poursuite de plaisirs sans même penser à Dieu qui les a comblés de ses bienfaits. Réveille-toi, monsieur le mécréant, monsieur le non-croyant, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, lance-toi vers lui, propage ce message,